Bonjour mes petites et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on va s'ouvrir trois petites figures d'Alchimol comme ceci de la saison 1. Bon, je les ai eues pas trop chères du coup. Voilà, c'est pour ça que je vais ouvrir ça avec vous. Comme il y avait longtemps que j'avais pas ouvert de petites figures, vous allez en avoir 2-3 dans les prochains jours et semaines à venir. Du coup voilà, on va s'ouvrir déjà ces trois là. Il n'y a pas de truc derrière. On va voir s'il y a une série. Je sais que j'en ai déjà pas mal. Mais j'aimerais bien la compléter et avoir les plus rares. Du coup, voilà. Bon, ça c'est un peut-être bête formulaire. Et ça, c'est l'œuf. Bon, je vais mettre ça comme ça. Voilà, moi j'ai toujours le problème, c'est de l'attraper. Allez, à ouf 3. Voilà. Hop, peut-être va te mettre là. Du coup, vous savez qu'il faut normalement, on frotte le petit cœur. Voilà. Et quand il vient rose, on a plus fort. Et l'œuf se casse. Hop, voilà. Et on peut apparaître la petite figurine qui est un petit écureuil. Voilà, et si je me rappelle bien, c'est un commun. Voilà la petite figurine. Toute mimi. Voilà. Elle est trop belle. Je veux dire, j'ai déjà des paillettes, mais non, c'est ma peau. Voici, voilà. Regardez-moi. Du coup, voilà, mettre juste là. Vous la verrez après. On va rouvrir le deuxième sachet. En plus, c'est bien parce qu'il y a une petite. J'avais pris les ciseaux, mais j'en ai pas besoin. Hop, on va ouvrir le deuxième petit œuf. Vous voyez, toujours je galère pour le plastique. Allez, c'est un chat qui fait le con près de moi. Qu'est-ce que tu veux, doudou? Voilà, l'œuf ici était jaune, celui-ci était vert. Qu'est-ce qu'il y a, loulou? Il court après les mouches. Du coup, on frotte le petit cœur. Je serais plus facile avec celui-ci. Hop. Et puis, on appuie fort. Et on apparaît la petite figurine. Et celui-ci, ça a l'air d'un petit zèbre. Oh oui, il est tout mignon. Si je ne mets pas dans la caméra. Un petit zèbre rose et mauve. Tout mignon. Voilà. Avec le deuxième. Je pensais qu'on le voyait, mais non. Hop. Petit écureuil. J'ai dit debout. Voilà. Allez, on ouvre le dernier booster. Bon, celui-là, il ne veut pas s'ouvrir tout seul. Hop, ça y est. Mais là, il y a le prix dessus. Hop, du coup, il ne veut pas se couper. C'est pas grave. Hop. On va prendre le dernier œuf. Celui-ci, il est de quelle couleur? Il est bleu. Du coup, logiquement, ce sera trois différents. Et ça, c'est la classe. Du coup, voilà cette petite œuf. Allez, on frotte fort. Qui est Doudou? Pour les intimes, c'est Doudou. Hein? Et heureusement, c'est Woody. Je dis ça, c'est parce que en fait, il est tellement doux, ce chat. J'ai envie de le caresser tout le temps. On voit un petit, je sais pas quoi. On va le sortir de son œuf. Oh, celui-là, je suis sûre que je l'ai pas. Un petit hippopotame. Ça, je suis sûre. Il manque un truc, là. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Non. Non, il n'y a rien. Je ne sais pas c'est quoi. Du coup, voilà. Est-ce qu'il y a un trou celui-là aussi? Je ne sais pas. C'est bizarre. Voilà. Voilà les trois petits queues qu'on a eu. Du coup, un petit zèbre, un petit écureuil. Et un petit hippopotame. Je le trouve trop mignon. Voilà.
Dites-moi en commentaire lequel que vous préférez. Hop, voilà. Moi, j'aime bien le petit hippopotame là, il est trop beau. Et pour ça, je vous laisse là. N'oubliez pas, mes informations, mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. Et me retrouvez moi sur Instagram qui est Tigre Clochette, je crois, avec une barre. Mais allez voir, je l'ai mis mon lien dans la barre d'infos. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de partager avec vos amis, famille et tout ce que vous voulez. Sur ce, je vous laisse. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.